Salut à tous, c'est HP Gamer et on se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 1 de ma série tuto Redstone. Alors dans ce premier tutoriel, je vais vous montrer comment faire ceci, d'accord, qui est une ferme, on va dire, de sève de cacao automatisée qui ramasse le cacao automatiquement. Tout simplement, vous allez juste appuyer sur le bouton. Le dispenser va libérer un petit filet d'eau qui va ramasser toutes les fèves de cacao. Donc on passe tout de suite sur le côté pour commencer. Alors moi je me suis mis quelques petites bases, d'accord, une glowstone et du bois tropical. Donc alors il vous faudra du bois tropical, un bloc quelconque, moi j'utilise le bloc de fer ou bien vous pouvez placer de la redstone. Alors après il vous faudra de la redstone, torche de redstone, répéteur comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il vous faudra de un piston collant, une touche et pour l'instant vous allez faire de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, d'accord. Voilà, sur le côté vous allez monter le bloc de fer pareil, sauf celui de gauche vous allez monter juste de 1 de plus, d'accord. En fait pareil de l'autre côté, donc hop, mais vous n'allez pas le monter de 1 de plus, vous allez juste le laisser comme il est, d'accord. Derrière vous placez ça, excusez-moi, voilà. Comme ça, ici vous avez juste à placer la touche, d'accord. Voilà. Ici vous placez deux de redstone, un bloc, une torche de redstone. Par-dessus, un bloc, une autre torche de redstone. Encore. Comme ça, vous allez répéter l'opération jusqu'au. Jusqu'à ce moment, jusqu'à ce qu'il y ait une torche de redstone qui soit éteinte et par-dessus un bloc, d'accord. Une fois que c'est fait, vous n'allez plus qu'à monter comme ça de 2, hop, ramener ça comme ça, vous allez fermer ça. Et si vous allez rajouter une redstone ici, vous allez en remettre 2. Ici vous allez casser ce bloc, vous allez placer votre piston collant ici et par dessous vous allez placer un bloc de fer. Alors là on va passer au repeater. Alors là vous placez un repeater au cran, vous le laissez comme il est. Ici vous refaites, mais vous mettre au deuxième cran, voilà. Ici vous refaites, mais vous mettre au dernier cran, au dernier. Et ici vous le mettez, mais non pas comme ça, vous le mettez et vous le laissez comme il est. Alors une fois que c'est fait, il faudra aussi, comment dire, un seau d'eau, bien sûr, un seau d'eau et aussi, comment ça s'appelle, un dispenser, un distributeur, voilà, un dispenser, c'est la même chose. Et aussi on va prendre aussi des fèves de cacao. Donc on va enlever la touche et de la poudre rose pour les faire pousser plus rapidement. Alors vous prenez votre distributeur, vous mettez comme ça et vous essayez de le placer en direction qui part en bas. Depuis la dernière mise à jour, plusieurs nouveautés ont été ajoutées. D'accord, je vous dirai ça plus tard. Voilà. Après, dedans vous allez placer votre un seau d'eau. Dans celle-là, vous n'avez pas placé de fèves de cacao, sinon ça va bugger. Vous allez en placer à partir de là. Voilà, comme ça. Ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. Alors moi je l'ai fait pousser pour que ça marche un petit peu mieux. Donc voilà, hop, on les fait pousser. Hop, hop, voilà. Je vais tous les faire pousser pour que ça marche mieux. Et si vous voulez aussi que la récolte soit automatique, je vais rajouter un petit truc. Un hooper ou quand vous voulez un entonnoir, excusez-moi, qui va automatiser tout ça. Donc vous prenez ici un entonnoir, d'accord. Depuis la dernière mise à jour, ils ont rajouté entonnoir. Plusieurs choses, vous devez savoir peut-être, d'accord, des blocs de redstone, etc. Comme des coffres piégés, comparateurs et aussi des capteurs de lumière. Il y a aussi plein de blocs. Donc alors comme j'ai dit, il faut un hopper, d'accord, un entonnoir et un coffre. Alors, non mais j'ai pas pris le coffre, excusez-moi. Le coffre, voilà, on va le mettre là. Le problème c'est qu'en fait avec ça, c'est qu'il n'y aura pas tout dans le hopper. Vous allez faire un trou là et mettre ça là. Vous mettez un coffre. Si vous êtes en fly, d'accord, si vous êtes en créatif, vous ne mettez plus en fly, vous mettez ici, vous mettez en sneak et vous allez viser ici avec le coffre et placer le hooper ou l'entonnoir. Moi je dis hooper. Voilà, une fois que c'est fait, ici vous pouvez placer de la glowstone pour non pas des barrières, de la glowstone pour avoir une petite source de lumière pour que ça pousse. Hop, hop. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton, un petit filet d'eau va être distribué et tous les fèves de cacao vont être libérés dans le hooper et qui va les envoyer directement dans le coffre. On peut voir qu'il est encore en train d'être rempli. Voilà, 28 fèves de cacao. Puis après vous n'avez plus qu'à
Voilà, pourquoi moi j'ai mis des échelles, excusez-moi, pour qu'après vous pouvez, pour que vous puissiez en remettre. C'est assez compliqué. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a plu, bien évidemment. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes autres vidéos. Surtout ça, je vous dis à la prochaine et puis c'est tout. Allez, salut!